Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera pour la présentation de mon bureau. Donc en premier j'ai une chaise verte qui se plie, donc pratique pour la ranger, quand ça me prend un peu trop de place on va dire. Donc là on a ma poubelle, là on a le chargeur de ma DS, un coloriage de cheval non fini. Des pastilles adhésives, donc de la pâte à pizza, mon statut de cheval, des lingettes pour les lunettes, ma boîte pour ranger mes lunettes, ma télé, je n'utilise plus, un compas, voilà, et quelques cahiers comme ceci, que j'aime énormément, mon permis vélo niveau 1. Des 1, 2, 3 et des agrafeuses, donc une bleue qui est grande, une moyenne qui est verte et une petite qui est noire. Donc les deux là ne marchent pas, mais celle-là marche. Donc celle-là, la référence des trucs là, des petites agrafes, c'est 26,6 du scotch. Donc voilà les agrafes de cette agrafeuse. Une petite pierre pour faire la déco, un marqueur noir Edding 380, une gomme Maped, là un truc naturel donc elle est quand même lourde, une règle Maped avec des petits dessins de New York, un petit carnet conson bleu ciel, sans punaise color Carrefour et sans trombone, donc couleur argent. Là il y a des trucs de pâte à modeler, un truc qu'il faut que je customise, là on a un tigre en rose, des porte-mines, donc je vais vous montrer, voilà. Alors attendez, je vais poser de la colle, ouf, esquisse, donc ce bout là il a l'embout là et ce bout là il a là. Un cadre photo, mais je ne vais pas montrer la photo. Ma petite lampe là avec une photo de moi, mais je l'ai retournée pour que vous ne voyez pas. Ensuite là j'ai un pot. Donc voilà. Donc dedans j'ai mon critérium, ciseaux, de la colle, crayon papier. Le trou noir, très pratique. Une pipette. Ça, je sais pas ce que c'est. Une gomme pour mettre sur le bout des crayons. Un crayon. Voilà. Une gomme qui efface le crayon et l'encre. Une autre gomme. Encore une gomme. Oups. Et un taille-crayon. Donc voilà, donc ce pot est assez bien. Donc voilà, c'était pour mon pot. Donc j'ai un sous-main cheval qui n'est plus très propre. J'ai un microscope, donc celui-là est vraiment bien. Donc avec les trucs là comme ça, donc il est vraiment bien. C'est vraiment pas de la nounotte, avec la prise là que j'ai enroulée. Ça, on peut pas voir grand-chose, normalement il n'est pas allumé. La lampe chauffante, enfin, elle chauffe parfois, enfin elle chauffe. Donc il y a beaucoup de poussière, mais j'utilise ça assez souvent. Donc, voilà. Là c'est pour l'allumer et l'éteindre. Donc maintenant on va passer au tiroir. Donc mon tiroir a une poignée argent. Et à l'intérieur. Alors on trouve mes craies grasses que j'adore, mais vraiment. Vous voyez, on gratte là. Attendez, j'ai gratté là. Voilà, c'est vraiment des craies grasses. Donc que j'utilise pour faire ce dessin. Ce dessin que j'ai fait. Donc avec. J'ai ça du quick.
un bracelet comme ça, des cartes d'animaux, des mouchoirs, des cartes de Star Wars, une araignée qui est morte, un truc là, mon boussole, encore des trucs, un truc pour faire les ongles. En bas, on a un album photo de chevaux et c'est tout. Donc, voilà. Donc, j'adore vraiment. Donc, je vous. Donc, franchement, c'est vraiment bien. Voilà. Vraiment de super bonnes pastels. Donc, 8 pastels de la marque Le Frambourgeois. Donc, il y en a 12. Et voilà. Ils sont vraiment super. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Bye bye!